Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, attention, je change de programme. Sur YouTube, les amis, je vous explique le truc. Tout simplement que depuis, je pense, 2013, 15 juillet 2013, je fais des vidéos sur YouTube, ou plutôt, je fais de la merde. Enfin, il faut préciser quand même que j'ai beaucoup de retours positifs. Par exemple, quand je fais de la magie, de la musique, des photos, pas mal de choses, des podcasts, beaucoup de gens ont aimé et beaucoup de gens n'ont pas aimé. Bon, c'est un autre souci. En tout cas, là en ce moment, je suis sur un petit tour assez sympathique. Donc avec cet étui, ces quelques cartes. Et en fait, le but de ce tour, en fait, c'est de montrer donc des cartes à dos bleu, tout simplement. Voilà. Et en fait, par le biais de manipulation, donc en fait, rien de bien compliqué, mais ce sont des 9 de cœur. Voilà, donc j'ai 4 cartes. Ce qu'on peut faire, donc, c'est mettre ces 2 9 de cœur, par exemple ici. Et en fait, là, ici, donc, il me reste un 9 de cœur, un deuxième 9 de cœur, je ne sais pas si on le voit très bien. Voilà, donc en soi, 2 9 de cœur totalement normaux. Voilà. Et pourtant, si vous vous laissez influencer, vous pouvez, sur le biais de les reposer, vous rendre compte qu'en fait, les cartes changent. Voilà. Bon, là, je vais pas vous faire le tour, mais au moins, je vous explique le truc. Je vous explique. Voilà. Bafouille aussi. Hein. Beaucoup d'hashtags bafouille. Voilà. Et eh ben écoutez, moi, comment je peux continuer le truc et vous dire... Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez des pouces en l'air, ou des pouces en bas, mais plus des pouces en l'air. Et puis, bah écoutez, on passe tout de suite à une petite démonstration de tour. Et bien sûr, une explication. Je vais faire léviter devant vous un objet. Et je vais vous expliquer après comment ça marche. Allez, à tout de suite. Alors, donc pour ce tour, j'ai pris, vous voyez, Pelfort, hein, c'est un dessous de verre, un dessous de bouteille cartonné, tout ce qu'il y a de plus normal, que vous pouvez trouver dans les bars parisiens. Oui, parce que je suis à Paris. Voilà, excellent. Donc, vous prenez cet objet, vous vous approchez du spectateur en question et vous déposez le dessous de verre dans l'air. Et au milieu de vos mains, normalement, il se met à voler. Voilà, je peux vous le refaire de plus près. Vous le prenez comme ça et vous le posez dans l'air, au milieu de vos mains. Et il se met à léviter complètement. Voilà. Et c'est bien sûr un truc anodin, mais impromptu. C'est-à-dire vous arrivez près du spectateur, là, voilà, vous le faites voler, vous êtes content et tout. Et en soi, il devient fou. Vous rendez fou votre ami, votre spectateur. Alors bien évidemment, pour l'explication, il va vous falloir un petit ustensile. Et oui. Ça. Ça, les amis. Ça. Une corde. Et oui. Je vous explique. Vous mettez la corde autour du cou. Tout va bien jusque-là. Il n'y a rien de compliqué. Ok. Et dans le mouvement de prendre l'objet, donc on va le reprendre, c'est cette chose-là. Vous allez passer votre doigt ici, l'autre doigt ici, et vous allez venir poser la chose sur le fil. Enfin, le fil de corde, quoi. Enfin, Oh, la bande de merde. Voilà. Donc, vous venez poser ça là-dessus, puis vous faites, vous lâchez quand c'est en équilibre. Voilà. C'est tombé. C'est de la merde. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Oui, c'était un jeu de mots pourri. Oui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Qui sera probablement une vidéo tutoriel. Que ce soit iMac, iPhone, iPod, tout ce que vous voulez. Allez, à plus tard. Merci, au revoir. Donc ça, c'est ma gueule. Voilà, c'est ma gueule. Bah écoutez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine. Wouh ! Quelle ambiance ! Wouh ! Quelle ambiance de dingue !